L'affaire Bastelica Fesch, c'est un drame humain. L'État français, en Corse, était capable de tout. Bastelica, petit village paisible, était l'objet d'une véritable opération militaire. Et puis nous, tout ce qu'on demandait, c'était qu'il y ait une conférence de presse. Et on nous dit, ils ont investi l'hôtel Fesch. Ils sont une trentaine, il faut que vous y allez. Le ministre leur disait, réglez-moi ce problème immédiatement. Donc ça voulait dire, donnez l'assaut. Il y a 40 ans, le 6 janvier 1980, une fièvre s'empare du village de Bastelica. Deux camps irréductibles se retrouvent face à face. Sur cette route de montagne, des nationalistes interceptent une voiture. À son bord, un commando de barbouzes. Trois hommes, membres d'un mouvement clandestin antinationaliste, Francia. L'existence de ces officines obscures est révélée au grand jour. Moi, j'ai surveillé cette maison parce qu'on savait qu'un groupe allait porter atteinte à Marseille d'une façon ou d'une autre. 40 ans plus tard, Christian Lorenson n'a rien oublié. Cet hiver-là, ce jeune agriculteur est chaque jour aux aguets. On a l'information comme quoi un groupe d'individus veut porter atteinte à Marseille. De quelque façon, on ne sait pas. Je ne sais pas si c'est pour le prendre ou si c'est pour le tuer, on ne sait pas. Le frère de Christian, Marcel Lorenson, l'aîné de la fratrie, est un militant séparatiste très en vue. Il a participé aux événements d'Aller il y a 4 ans auparavant. À cette époque, la tension est à son comble. Le parfum un peu discret du TNT a encore flotté la nuit dernière en Corse. Aux attentats du FLNC qui veut libérer la Corse de la France répondent les plasticages antinationalistes. Plasticages contre des dirigeants agricoles en plaine orientale, contre des biens appartenant à des militants, contre la famille Simeoni. Ces attentats sont revendiqués Francia, le groupe d'action nouvelle contre l'indépendance, qui a engagé le combat. Les autonomistes dénoncent une stratégie de la tension. Je pense que Francia sait parfaitement que nous ne renoncerons pas et qu'elle a mis en place une escalade qui atteindra non seulement les biens des autonomistes, mais leurs personnes, pour tenter de nous faire réagir de façon irresponsable. C'est un jour de juin que tout a commencé. Devant la gare d'Ajaccio, un attentat vise un sympathisant nationaliste au volant de sa voiture. Cette nuit-là, j'avais dormi sur Ajaccio et je devais aller voir mes parents qui habitaient au-dessus de la place Abatouche. Donc j'ai pris ma voiture et le clignotant ne marchait plus. Alors, j'ai continué à rouler, mais ça me tracassait quand même, ces sortes de clignotants. Et à monter de la gare, pour voir si ça marchait, j'ai mis le warning. Et quand j'ai mis le warning, ça a déclenché l'explosion. Cinq mois plus tard, en centre-ville, un attentat à la voiture piégée vise un certain commandant Bertoligne. C'est le chef du service d'incendie et de secours. Dans l'explosion, l'ancien militaire perd un œil et une jambe. Le commandant Bertoligne, c'est le chef de Francia, un groupuscule antinationaliste. L'ancien militaire ignore que son organisation a été infiltrée. Comme au temps de la guerre froide, un espion du FLNC, un certain Leonelli, s'est introduit chez les antinationalistes. C'est un personnage, c'est presque un personnage de roman, Leonelli. Il est complètement mythomane,
passionné d'armes, donc il est toujours fourré à l'armurerie d'Oliel, puisque Oliel est armurier, et son rêve, c'est de devenir militant du FLNC. Donc, un jour, il voit les trois militants en question qui sont en cavale, chez sa compagne, et il leur dit, voilà, on m'a proposé de rentrer à Francia, Oliel m'a proposé de rentrer à Francia, qu'est-ce que je fais ? Et les militants du front en cavale saisissent évidemment l'occasion. Ils disent, bon, ben, ce que tu vas faire, à partir de ce moment, tu es militant du FLNC en mission, tu infiltres Francia. Quelques semaines plus tard, l'espion fait des confidences. Il dit aux militants du front qui l'ont engagé comme infiltré, voilà, dimanche prochain, je vais faire la connaissance enfin du commandant, il ne sait même pas qu'il s'appelle Bertolini, ce commandant mystérieux qui est le patron des Barbousses, et nous allons monter à Bastille pour enlever un militant nationaliste qui s'appelle Lorenzoni. À Bastille, Marcel Lorenzoni et ses proches sont bien décidés à organiser la riposte. Et ils m'informent qu'une action va se perpétrer contre lui le dimanche 6 janvier. Ils me demandent d'être là, Basilica, avec lui et d'autres, évidemment. Ce que, évidemment, j'accepte tout de suite. La réunion se passe chez moi, d'ailleurs. Paul Courtine, Marcel Lorenzoni et moi-même prenons alors la décision de monter à Bastille le dimanche pour les arrêter. Et je n'ai pas hésité un instant. J'ai dit... on va y aller. J'ai donc appelé Antoine Bisgambille et Jacques Pianet et Dominique Bianchi. Nous sommes partis à Bastelica. Ce matin du 6 janvier 1980 à Bastelica. La neige continue de tomber. À 10 heures, une voiture suspecte est repérée. Trois hommes à bord, ils font le tour du village, ils roulent lentement, comme s'ils cherchaient quelqu'un. L'interception des trois barbouzes du sac s'est déroulée exactement ici. Gilbert Casanova conduisait ma voiture dans la neige. Il y avait également Antoine Bisgambille. Donc nous avons mis ma voiture, Gilbert a mis ma voiture en travers. Et lorsqu'ils sont sortis du village, ils ont été obligés de s'arrêter et nous les avons pris. Quand on a reconnu les gens, on s'est précipité puis on a intercepté les barbouzes, sachant que Oliel a essayé de sortir un calibre 44. Bon, il n'en a pas eu le temps parce qu'il a pris un coup sur la poitrine. Il a lâché tout de suite le calibre. Il a eu peur. Il savait pas si l'arme était chargée ou pas. Il a lâché le 44. Les deux premiers passagers sortent de la voiture. Le troisième reste à l'arrière. Et une fois qu'ils ont pris les deux passagers de devant, je me précipite à l'arrière du véhicule pour sortir le troisième passager. Et là, ce troisième passager ne peut pas sortir. Il crie « ma jambe » et je reconnais le commandant Bertolini. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Je tenais le commandant Bertolini, chef du sac et chef des barbouzes, au bout de mon fusil. Ce plaisir n'a pas de prix. Sous la menace du fusil, le trio est emmené un peu plus loin. Simule, j'allais dire presque une exécution dans le champ couvert de neige que vous voyez là, en face. On les a fait mettre à genoux, pas Bertolini qui est resté debout, hein, puisque le malheureux n'avait pas, il lui manquait une jambe. On a fait semblant de, ils ont armé les fusils, les autres, et là, Oliel, comme vous savez, c'est dans les films ou farces de Rouville, bon, c'est mis à conta tutto cosa la tavi a conta et veramente un coso. C'est pas des gens qu'on aimerait avoir comme amis. Voilà. Emmené dans une bergerie, un des trois hommes, Alain Oliel, un armurier d'Ajaccio, passe aux aveux. Ben, il nous dit qu'ils avaient commis un certain nombre d'attentats anti-autonomistes
et qu'il devait commettre d'autres attentats contre des réserves d'eau, par exemple, alimentant Ajaccio, contre un atelier de potières à Bastille. Donc ils allaient continuer de toute façon leur action anti-autonomiste. Dans la poche d'un des prisonniers, les militants découvrent la carte du sac. C'est moi qui fouille Oliel et qui trouve dans son portefeuille, d'abord, c'était les premières cartes plastifiées, d'abord la carte du RPR et ensuite la carte du SAC, Service d'Action Civique. Et lorsque je lui demande ce qu'est cette carte, il me dit « mais c'est la carte qui prouve mon appartement à Francia ». Autrement dit, il me dit indirectement, sans le vouloir, que Francia et le SAC, c'est la même chose. Oliel, Leonelli, Bertolini, ces trois hommes appartiennent à Francia, une organisation clandestine anti-autonomiste. Et on a de nouveau un SAC reconstitué, j'ai envie de dire, avec toujours animé un peu par les mêmes motivations, c'est-à-dire que ce sont des gens violemment anticommunistes, ce sont des gens qui sont là pour défendre une idée du gaullisme, qui n'ont pas peur de faire le coup de poing, et qui considèrent toujours, d'une certaine manière, ce qui justifie leur côté parallèle et souvent semi-légal, que la France est en danger et qu'il est justifié d'avoir cette police parallèle, cette espèce de milice secrète et disposant de nombreux relais au sein de l'État, ce qui lui garantit une forme d'impunité. Francia, c'est une déclinaison du SAC, le Service d'Action Civique. Service d'Action Civique, qu'on appelle le SAC, apparaît fin 59. Donc on est un an après le retour au pouvoir du général de Gaulle. C'est un mouvement très, très puissant, de 3000 adhérents à peu près, qui prend la suite de l'ancien service d'ordre du parti gaulliste des années 50. Le SAC se délite, en fait, à partir de 74. Il n'y a plus de soutien politique, il y a beaucoup moins de moyens qu'avant. Il se délite, ça se traduit par l'éclatement, en fait, du mouvement en petite baronnie, très, très indépendante, très, très autonome. À la mairie de Bastille-Lica, les trois membres de Francia sont retenus prisonniers. Smith & Wesson, 44 Magnum, fusil Remington à lunettes, gants, talkie-walkie. Cet arsenal est retrouvé dans la voiture du commandant Bertolini. Quelles sont, selon vous, les raisons de cette action ? Probablement une méprise, parce que je suis venu à Bastille-Lica pour y passer une heure et accompagner deux personnes qui venaient à la chasse. Et puis maintenant... Ah ben pas moi, non, ce n'est pas moi. Je ne parle qu'en mon nom personnel. Personnellement, j'avais une arme, oui. J'avais une arme, j'ai été victime d'un attentat il y a un an. Et depuis, je porte une arme, malgré l'interdiction du préfet, malgré le refus de la préfecture de me donner une autorisation de port d'armes. À l'inverse du commandant, Oliel, lui, passe aux aveux face au micro des journalistes régionaux. Et je pense que le commandant était monté pour faire du mal à M. Lorenzoni. Qu'est-ce qui vous fait penser ça et pourquoi ajoutez-vous cela maintenant ? J'ajoute ça maintenant parce que c'est bon de dire. Et... que je n'ai rien à voir dans cette affaire, parce que M. Lorenzo ne m'avait jamais rien fait, donc j'avais aucune raison de lui en vouloir. Mais par contre, et M. Bertolini, je crois, a des raisons de lui en vouloir, d'après ce qu'ils ont dit. Reste à prouver. Les révélations éclatent au grand jour. La situation est très tendue. Des dizaines de militants sont arrivés de toute l'île. Des centaines de gendarmes mobiles et policiers investissent le village. Lorsque nous avons débarqué en hélico sur Bastille-Lica, on nous a désigné telle maison, on s'y est introduit pour interpeller des gens. Certaines maisons étaient vides, d'autres, il y avait des témoins. Pour nous, au départ, c'est des témoins, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont fait exactement. On ramasse.
Quatre hélicoptères survolent la montagne. Les automitrailleuses entourent les maisons. Et dans l'après-midi, nous voyons toutes les collines de Bastelk survolées par de gros hélicoptères Puma. Et nous voyons débarquer, c'est assez impressionnant d'ailleurs, sur ces collines enneigées, je crois que c'était les gendarmes parachutistes de Mont-Marsan, en tenue de camouflage, c'est-à-dire en tenue blanche, qui jaillissent des Pumas sur les collines pour investir le village, comme ils investissaient à l'époque des dizaines et des dizaines de villages en Algérie. Le village est bloqué, tous les accès sont bloqués, on ne laisse venir personne, donc... On décide dans la nuit, dans la soirée, on décide d'évacuer Bertolini. Le commandant Bertolini est confié à des militants afin d'être caché loin du village. L'extraction de Bertolini, c'est on l'embarque dans la Chrysler, là. On lui met un sac de jute sur la tête, bon, là, il est attaché, hein. Et puis on arrive à Corot. À Corot, Jean-Paul Morel, qui a une deux chevaux, avance pour faire lever la herse, il y avait une herse, il passe et nous avions un taki-walki dans la voiture, donc le taki-walki il appuie, et quand le signal s'allumait, il parlait pas, hein, et quand le signal s'allumait, ça voulait dire que la herse était levée, là j'avais une boîte automatique, j'ai mis le surdrive à fond, et je suis passé, les gendarmes ébahis n'ont pas eu le temps de tirer, il y avait la foule, et nous sommes partis, et nous avons emmené Bertolini, dans la planque qui était préparée. Des militants sont réfugiés dans une maison du village. Derrière la porte, ils entendent des bruits, alors qu'ils se réchauffent autour d'un feu de cheminée. En fait, on ne se rend pas compte parce qu'on entend des haut-parleurs à l'extérieur. On pense que ce sont des militants qui ne veulent pas se rendre à l'intérieur du village. Et puis finalement, à la troisième sommation, on s'aperçoit qu'elle est pour nous. C'était la dernière sommation, on va faire usage de vos armes. Donc on ouvre les volets, on s'était calfeutré dans la maison. Et on dit au gradé qui était en bas que c'est bon, quoi, qu'ils pouvaient monter et qu'on se rendait, hein, finalement. Donc ils saisissent nos armes, ce sont les gendarmes parachutistes, les fameux gendarmes parachutistes en tenue blanche qui étaient descendus de la colline et qui avaient cerné la maison sans qu'on s'en aperçoive puisqu'on était calfeutrés à l'intérieur. Et tous les mètres, tout autour de la maison, il y en avait un collé contre la maison avec son arme. Je suis arrêté... Quand le capitaine Trévisiol me demande, parce qu'il y avait une arme pointée, une grosse mitrailleuse pointée sur la gendarmerie, et le capitaine Trévisiol me dit « Vous êtes encerclé, il va couler du sang, vaut mieux que vous vous rendiez ». Donc on s'est concerté avec Lise ou avec les autres, et on a pris la décision de se rendre. Les autres rebelles, autour de Marcel Lorenzogne, décident de quitter le village. Donc on forme un convoi. Moi, à l'époque, j'avais une camionnette Peugeot 404 bâchée. Donc je la remplis et puis les autres font pareil. Et je la remplis d'hommes et on s'en va. On s'en va. Et arrivé à l'embranchement de Corot, il y avait un gros déploiement de gardes mobiles, ou de CRS, je ne sais plus ce que c'était, qui était censé nous empêcher de passer. Donc on a discuté avec le gradé. Le gradé, il nous a dit texto qu'il était venu avec tant d'hommes de Lyon et qu'il voulait repartir avec le même nombre d'hommes. Et il nous a laissé passer. Thank you.
de Bastalica. En tous les cas, le problème s'est maintenant déplacé vers Ajaccio. Ajaccio, où nous pouvons retrouver, je crois, en direct notre envoyé spécial Bernard Pradino. Alors, les choses se passent à l'hôtel Fesch, qui est un hôtel du centre d'Ajaccio, dans une petite rue, près du port. Et depuis la fin de la nuit, un groupe d'une vingtaine de Corses, autonomistes, séparatistes, occupe cet hôtel, retranché dans l'hôtel, avec une dizaine de clients qui sont tous du continent de la métropole et qu'ils empêchent de sortir. La police a bouclé le quartier, CRS, garde mobile, et des deux côtés, pour l'instant, on attend. Les militants, menés par Marcel Lorenzogne, ont emmené avec eux un de leurs prisonniers, Alain Auliel. Leonel a été libéré. Quant au commandant Bertoligne, il a disparu. Les hommes du collectif de Bastelica, c'est ainsi qu'ils se revendiquent, veulent rencontrer des journalistes de la presse nationale. Il est convenu de descendre à Ajaccio pour dénoncer le plus possible l'agissement des réseaux parallèles, notamment Francia. Il est vrai qu'à Ajaccio, on aurait peut-être eu un peu plus d'audience qu'on en avait à Bastelica, qui était encerclé et coupé du monde. En se rebattant l'hôtel Fesch, qui est à l'époque un hôtel tout neuf, et la plupart des médias descendaient à cet hôtel, à deux pas de la préfecture, commode, etc. Bon. Et donc, ils sont abattus là-dessus en espérant y trouver beaucoup de journalistes. À l'hôtel Fesch, une douzaine de clients sont pris en otage. Lorsque les choses se sont durcies et qu'ils voulaient donner l'assaut, et Marcel, on n'avait pas d'autre choix, il a décidé de bloquer les clients. Voilà. On a bloqué les clients qui étaient sur place pour éviter qu'il y ait un assaut contre l'hôtel et que les choses se passent mal. Voilà. Et ça a été la bonne décision. Des centaines de manifestants se sont rassemblés en signe de soutien. La ville est quadrillée de barrages. Les autorités exigent que les otages soient libérés. L'évêque, le maire d'Ajaccio et plusieurs élus rencontrent les occupants qui veulent que les forces de police laissent passer les journalistes. Alors après cet entretien avec les occupants, est-ce que vous avez bon espoir de voir arriver une solution favorable ? Vous savez, ils ont fait des propositions, je les ai transmises au préfet. Je ne peux pas vous donner des détails supplémentaires là-dessus tant que le préfet n'aura pas fait connaître sa décision. Mais personnellement, je pense qu'on pourra peut-être arriver à une solution favorable. S'il vous plaît, on n'attend pas de félicitations ici. Hein. Parce que c'est vous qui êtes ici. C'est vous, c'est vous, monsieur. Dans la soirée, la tension monte entre les gardes mobiles et la foule. Invectives, échauffourées, fouilles systématiques. L'affolement est total. À 23h10, devant un barrage dressé dans une rue, un homme sort une arme, tue un CRS avec son fusil de chasse et en blesse deux autres. La panique s'empare du centre-ville. Vers minuit 30, une voiture blanche passe au niveau de la place du Diamant. C'est une jeune psychologue de 32 ans qui conduit. Elle est accompagnée de deux de ses amis. Elle a pris le cours Grandval et au moment où elle allait tourner pour descendre vers le boulevard Lantivy, elle a vu un de ses copains qui lui a dit « file, ils sont devenus fous ». Donc elle a filé, elle a tourné et à ce moment-là, elle a déboulé le CRB et ils ont tiré. Elle a fini sa route en bas de cette rue, je ne sais pas comment elle s'appelle, Ramaroni, je crois, je ne sais pas. Et la dernière chose qu'elle ait dite, enfin ce que nous a dit Christiane, la troisième occupante, qui elle a été légèrement blessée, elle a dit « je crois que j'ai été touchée ». À 2h du matin, c'est de nouveau le drame. À la sortie d'Ajaccio, un jeune homme de 23 ans, Pierre Marangogne, complètement étranger aux événements lui aussi, rentre chez lui. Il s'arrête à un barrage. Lorsqu'il redémarre, il est tué par un coup de feu.
les forces de l'ordre ont été conduites à tirer. Et certes, il y a eu mort d'homme et blessure. La justice en est saisie, et s'il y a eu des fautes, elles seront sanctionnées, mais il ne m'appartient pas de préjuger de ce que décidera la justice. La Corse est en deuil. Ajaccio se réveille sous le choc. Commerce, administration, ferme boutique. Un policier stagiaire de l'Office central de répression du grand banditisme est mis en examen pour le meurtre de Michel Lynch. Il aurait tiré au fusil mitrailleur. Dans la journée, le préfet, le maire, puis l'évêque d'Ajaccio en appelaient de toutes leurs forces au calme et à la raison. À 13h sur TF1, le dialogue est saisissant. L'évêque de Corse, Mgr Thomas, demande au ministre de l'Intérieur de rendre les forces de l'ordre plus discrètes. Je vous supplie, au nom de tous ceux qui vivent à Ajaccio et en Corse, quels qu'ils soient, encore une fois, de penser d'abord à la vie humaine plus qu'à la légalité, oui, j'ose le dire, car une légalité compromise quelques moments, c'est grave, je le reconnais, je ne suis pas pour qu'on l'oublie, mais des morts, c'est définitif. J'ai le devoir de ne pas négocier les forces qui se trouveront ce soir à Ajaccio seront sensiblement plus importantes que celles qui s'y trouvaient hier soir. Tout ceci ressort d'une chronologie. La réponse du ministre est laconique. Des manifestants dénoncent les bavures policières. Des chars, des camions militaires envahissent la ville. Des gendarmes en treillis repoussent les manifestants. La ville est bouclée, comme sous couvre-feu. Dans les rues désertes, les policiers sont partout. Le GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale spécialisée dans les opérations délicates, est arrivé à Ajaccio. On se doutait qu'une partie voudrait quitter l'hôtel, mais on ne savait pas comment. J'ai dit, moi, je vais faire une reconnaissance. Donc, je me suis mis en civil et tout. Je suis parti avec un de mes hommes. On a trouvé par la petite rue perpendiculaire à l'hôtel Fesch une entrée dans un bâtiment qui nous a permis d'atteindre un grenier où on a forcé une serrure pour aller dans le grenier. Du grenier, on enlevait des tuiles parce qu'il n'y avait pas de passage. On est passé sur le toit. Alors que le GIGN se prépare à donner l'assaut, un militant est aperçu sur les toits. J'avais mis en place un escadron de gendarmerie, qui était à l'époque l'escadron parachutiste de Mont-de-Marsan. Le commandant, un des officiers m'appelle, me dit « On a vu quelqu'un qui a passé sur le toit, il était 20h ou 20h30, peut-être un peu, 21h peut-être. Quelqu'un est passé sur le toit et a utilisé le même cheminement que toi. » L'homme est interpellé. Le GIGN avait eu la même idée que moi. Il s'était mis sur les toits de l'autre côté, en face de l'hôtel. Et il me voit sortir de l'hôtel. Et lorsque je sors de l'immeuble, sur le cours Napoléon, je suis entouré par une haie de gardes mobiles. Pas du tout agressif d'ailleurs, très, très poli même.
qui me demande d'attendre parce que il y a quelqu'un qui veut absolument me rencontrer. Et il s'agissait de Proto. À mon avis, je me suis dit, lui, il a fait la reconnaissance du passage, vu qu'il n'avait pas été contrôlé, que donc une exfiltration était possible par le cheminement qu'il avait pris. Alors, je lui ai dit, écoute, tu le tiens prisonnier et moi je vais l'interroger. Le but étant d'obtenir de lui l'heure à laquelle se ferait l'exfiltration. Le prisonnier va subir un interrogatoire musclé. Ils avaient bien tout employé comme système m'ont fait mordre par un chien loup pour me persuader de coopérer un peu plus, mais comme ça, ça ne changeait rien. La responsabilité qu'il avait, c'était sans affrontement ou pas affrontement, il me dit quelle heure est-il ? Et je ne me rappelle plus, je regarde ma montre, il était 23h30, je crois. Il me dit, dépêchez-vous, vous n'avez pas beaucoup de temps. Je lui dis, la seule chose que je peux te dire, c'est que si tu veux rentrer en contact avec Marcel, pour essayer d'éviter la catastrophe, il dit, parce que ça va tourner la catastrophe, il dit, essaye de le contacter. Quand je l'ai vu, moi, il était au dernier étage de l'hôtel. Le commandant Proutot et ses hommes avancent sur le toit pour accéder à l'hôtel. Marcel Lorenzon est derrière la porte. Et Lorenzoni me dit, qui es-tu, toi ? Alors, je dis, moi, je suis Proutot, le commandant du GIGN. Je te connais. Je dis, mais écoute, on va parler, il faut qu'on parle, parce que ce serait terrible que nous arrivions à l'affrontement. On ne se rendra jamais. Je dis, écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais vous avez en face de vous les meilleurs tireurs du monde. Ce n'est pas forcément la meilleure stratégie. Il me dit, bon, avance, nous allons discuter. Lorenzon accepte de discuter, mais pas sous la menace d'une arme. Proutot déboucle son ceinturon et son revolver. Et je m'avance, je descends une marche, et il me dit, tu es bien l'homme que je pensais. Et là, je me suis dit, ça part dans le bon sens. Et il me dit, quel est ton numéro de brevet ? Je suis parachutiste aussi. Parce que j'avais sûrement, vous voyez là, sur le brevet parachutiste. Et lui avait fait son service militaire dans les parachutistes. Il me dit, tu es para ? Ben, je dis oui. Quel est ton numéro de brevet ? Je lui donne mon numéro de brevet. 385 000 004. Et il me dit, bon, on va discuter. Lorenzon accepte de se rendre, mais à certaines conditions. Les militants veulent quitter l'hôtel, fusil à l'épaule, en brandissant le drapeau corse. Partie des armes est restée dans l'hôtel. Elle ne sera jamais retrouvée. Une quarantaine de militants sont arrêtés. Alain Oliel, un des trois hommes de Francia, en fait partie. Quant au commandant Bertolini, il sera libéré à Olmeto, dans des conditions inédites. Vers 2h15 du matin, j'ai reçu un coup de téléphone du maire d'Olmeto qui m'a indiqué que
M. Bertolini lui avait été remis une demi-heure avant environ, à la condition expresse que ce soit le procureur de la République d'Ajaccio qui aille seul le chercher. Pompéani est partie toute seule. On a dit à Pompéani, mais monsieur le procureur, il avait un espèce de grand manteau, comme dans, il était une fois dans l'Ouest, gros cache-poussière. Il dit, monsieur le procureur, on va pas vous laisser aller tout seul, parce que sinon on va se retrouver avec deux otages. Il dit non, parce qu'il avait fallu qu'il donne le nom de sa mère pour prouver qu'il était corse et tout. Et il a ouvert son manteau et le procureur avait ce qu'il fallait en dessous. Et puis il est parti, puis il est revenu avec Bertolini. Une grève générale est décidée. En Corse, c'est Isula Morta. Commerce, administration sont fermés. Les hommages aux trois victimes sont rendus dans l'émotion. Merci. 37 militants nationalistes sont transférés à Paris. À Ajaccio, cet après-midi, plusieurs milliers de personnes ont défilé dans les rues en faveur des inculpés. Manifestation organisée par les syndicats, les partis de gauche et l'Union du peuple corse d'Edmond Simeoni. En tête du cortège, les enfants et les parents des inculpés. Les objectifs des manifestants, libération de tous les emprisonnés politiques corses et arrêt des poursuites, dissolution de la Cour de sûreté de l'État et respect des droits de l'homme. Durant cette période, bien entendu, il y a eu beaucoup de manifestations auxquelles j'ai participé, d'autres ont participé. Il faut voir le contexte de l'époque. D'abord, c'est la Cour de sûreté de l'État. Ça pose de graves problèmes d'un point de vue de la justice. Et la gauche, toute la gauche française et corse, elle est pour la suppression de la Cour de sûreté de l'État. Et ceux qui se trouvent confrontés à ce problème, ils vont se trouver confrontés à cette situation de non-justice, en fin de compte. Et puis, je serais tenté de dire que le contexte historique de l'époque, c'est que juste avant, il y avait eu 78 et la gauche a failli prendre le pouvoir en France. Et ça se fera d'ailleurs en 1981. En prison, les militants corses comptent les jours. Il y avait une cour avec des marronniers. Quand on est arrivé, on a vu ces marronniers, on a dit, tiens, on ne verra pas tomber les feuilles, quoi. En fait, on les a vu tomber, on les a vu repousser, on les a vu retomber. Voilà. Quand on a vu que ça s'éternisait, on a commencé une grève de la faim, qui a duré 22 ou 23 jours, la première grève. Dans leur cellule, les Corses apprennent la libération du commandant Bertolini. Et quand on a appris que Bertolini était libéré, on a tous fait nos pactages, on est sortis dans la cour du bâtiment annexe, hein, en disant que puisque lui partait, nous aussi. Alors évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Comme il ne se passait toujours rien, on a repris la décision de refaire une grève de la faim. Voilà. Parce qu'on voulait un procès. Et au bout de 40 jours, comme on ne mangeait toujours pas, ils nous ont donné le choix. Soit on acceptait une boîte de médicaments liquides, là, à boire volontairement, une Rinutril ou Nitruril, je ne sais jamais comment ça s'appelle, mais enfin c'était ça. Soit ils nous attachent et ils nous intubent par le nez. Et on avait vu un malheureux Syrien, je crois, qui était attaché sur son lit avec un tube dans le nez. Donc voilà. Donc on n'avait pas trop le choix, on a accepté de boire cette boîte. Mais on ne mangeait toujours pas. Et on a duré comme ça encore une vingtaine de jours. Avant qu'ils nous affirment qu'on aurait un procès. Justice toujours avec le début du procès des autonomistes corses, membres supposés du Front de Libération Nationale de la Corse, je devrais dire les indépendantistes, ils sont 21 à comparaître devant la Cour de Sûreté de l'État, et ce pendant 2 ou 3 semaines. Le procès démarre le 14 janvier devant la Cour de Sûreté de l'État à Paris. Une juridiction très particulière, créée en 1963 après la guerre d'Algérie, pour juger les opposants politiques. C'est très bizarre la Cour de Sûreté de l'État. C'est à la fois un tribunal correctionnel, à la fois une cour d'assises et à la fois presque un tribunal militaire. Pourquoi ? Parce que la moitié des juges sont des militaires qui sont choisis par le gouvernement.
Et donc, c'est finalement presque un tribunal militaire auquel vont s'ajouter quelques juges. Normaux, disons, professionnels, mais là encore choisis par le pouvoir et très proches du pouvoir politique. Donc, ce sont et des juges politiques et des militaires qui vont juger toutes les affaires corses. Dans le box, 13 militants pâles, fatigués et barbus, accusés de constitution de bande armée et séquestration. Ceux qui étaient en détention spéculaient sur le fait que cette affaire, si elle était jugée normalement, leur permettrait effectivement d'expliquer, de se justifier de ce qui s'était passé, etc., etc., etc. La défense fait le procès des autorités et des polices parallèles. Des élus de gauche, de droite viennent témoigner. Ils affirment que Francia a été télécommandée par la préfecture d'Ajaccio. On dénonçait quelque chose. On dénonçait ce que l'État faisait dans la France entière. Il utilisait des barbouzes. Des peines de 3 à 5 ans sont réclamées contre Marcel Lorenzogne. Les réquisitions sont inférieures pour les autres. C'est Francia qu'il faudrait condamner, plaident les avocats de la défense. On avait mis en cause l'État sur des actions qui n'avaient aucun support de légalité, qui s'étaient totalement détachées de toute relation avec des actions légales au nom soi-disant de l'intérêt de l'État. Parce que là, ça devenait une affaire politique au nom de l'intérêt de l'État, et ce n'était pas du tout comme ça que c'était jugé au plus haut niveau. On avait donc pris le parti de voir Jacques Chirac, qui était Giscard d'Estaing, donc le représentant de l'État, pour dire si véritablement l'État se sentait concerné par cette façon de traiter le problème corse. Le verdict tombe. Marcel Lorenzogne, Dominique Bianchi sont condamnés à 4 ans de prison. Christian Lorenzogne et Gilbert Casanova à 2 ans ferme. Les autres prévenus à des peines de 6 à 18 mois de prison. Ben, il y a des attentats qui ont suivi. Cette position qu'avait adoptée la Cour de sûreté de l'État, c'est le cas de le dire, dans sa rigueur, entraîne une escalade de la violence en Corse. Dans la nuit du 11 au 12 février 1981, une quarantaine d'attentats sont commis. Le mouvement nationaliste s'est radicalisé par rapport aux deux mouvances qui étaient les conservateurs de droite et de gauche. Le mouvement nationaliste, pour exister, a diffusé ses idées, a musclé ses actions et par conséquent s'est développé d'une manière plus conséquente. En mai 1981, François Mitterrand est élu. Monsieur François Mitterrand est élu ce soir président de la République avec, selon notre estimation, 51,7%. Il prononce une amnistie générale. Quand Mitterrand avait promis l'amnistie, donc je ne vous cache pas que le soir où son visage est apparu comme nouveau président de la République, nous étions très heureux. On était très heureux pour nous-mêmes, mais on était surtout très heureux pour nos familles et pour la Corse. Donc tous les unis qui étaient libérables ont été libérés. Les détenus, Marcel avait fait appel, donc il n'était pas condamné. Donc il a été libéré avant nous. Et nous, enfin moi, j'ai été libéré un peu après, je suis sorti avec Gilbert Casanova. Voilà, on a pris le même avion pour rentrer sur Ajaccio. Voilà. Des négociations entre les nationalistes et le gouvernement ont-elles eu lieu lors de cette amnistie? Les recherches à l'encontre du nationaliste soupçonné du meurtre du CRS sont abandonnées. Il n'y aura
aucune enquête à l'encontre des gendarmes après la mort du jeune jockey Pierre Marangogne. Quant au policier soupçonné d'avoir tué Michel Linck, il ne sera jamais jugé. Aucun procès n'aura lieu. Pourtant, après la mise en examen du policier, la famille Linck s'était portée partie civile. On a pris un avocat, bien sûr, parce qu'on a su que l'assassin avait été inculpé d'homicide volontaire. Donc on a pris un avocat, on s'est porté partie civile. Donc on prend contact avec d'autres avocats. Et toujours rien, aucune nouvelle, jusqu'au jour où on apprend que, après mai 81, il va y avoir le statut particulier, et dans ce statut particulier, un article 48 qui prévoit l'amnistie générale pour tous les événements d'ordre social ou politique. Or là, c'était pas du tout ni social ni politique, c'était un assassinat. Pour les détenus relevant de la Cour de sûreté de l'État, la barre des 8 ans a été supprimée. L'amnistie sera presque totale. Seule restriction possible, elle concernerait les personnes emprisonnées pour homicide. L'amnistie va-t-elle aussi concerner les personnes poursuivies pour crime de sang, comme le policier mis en examen après le meurtre de Michel Linck? À l'Assemblée nationale, le Parti communiste dépose un amendement pour que les meurtres soient exclus de cette loi. Monsieur Rocazer. Hop là. Monsieur Tadei, député du Vaucluse, donc on a envoyé à tous les députés. La famille Linck alerte les élus, contacte les associations de victimes, la Ligue des droits de l'homme, écrit au président de la République. Comment un gouvernement qui a aboli la peine de mort par respect de la vie humaine, peut-il dans le même temps amnistier, donc blanchir sans jugement, ceux qui ont supprimé la vie? Notre déception et notre révolte sont grandes. Le policier sera finalement amnistié et un non-lieu est prononcé. La famille Linck fait appel. En guise de réponse, le ministère de la Justice leur envoie une amende pour procédure abusive. Un jour, j'ai reçu une lettre, et mes frères et sœurs aussi, j'ai reçu une lettre me demandant de payer une amende de... Enfin, me demandant non. Me signifiant que je devais payer une amende de... Je ne me souviens plus du terme exact, je n'ai plus le papier parce que j'ai été tellement révoltée que ça je l'ai jeté, j'ai payé l'amende et j'ai jeté. Pour avoir dérangé la Cour de cassation abusivement. Voilà. C'est la seule réponse de la justice que l'on ait eue dans l'affaire de ma sœur. Dans l'affaire de Michel, on a payé une amende. Voilà. Francia, c'est le vaisseau fantôme. Comment pouvait-il le laisser repartir dans la brume? C'était écrié maître Camille Giudicelli lors des plaidoiries de la Défense. Le SAC, le service d'action civique, résidu d'un autre âge, sera dissous en 1982. Ni le commandant Bertheling, chef du groupe Francia, ni le policier poursuivi après la mort de Michel Linck, ni le manifestant soupçonné d'avoir tué le CRS ne seront jugés. La Cour de sûreté de l'État, tribunal des insurgés, sera supprimée en 1981 avec l'arrivée de la gauche au pouvoir. S'ouvrait alors une décennie d'attentats et de contestations nationalistes.